Le grand rendez-vous européen avec CNews et les Échos. Nicolas Barré, Laurence Ferrari, David Doucan. Sur un tas de dispositions de cette loi, on dit qu'on va libérer les entreprises en leur donnant des choses qu'elles ne réclament pas. Alors quoi, on veut les libérer de force? Moi, ce que je dis, c'est que l'économie du pays a besoin d'une relance de l'activité. Elle est trop financiarisée. Et par ailleurs, sur les PME et TPE, oui, c'est vrai, il y a un problème, c'est qu'elles ont tout l'effort sur leurs épaules, alors que les grandes entreprises sont bien moins taxées. Voilà qu'il y a à faire. Mais ces ordonnances, encore une fois, ne vont pas créer de l'emploi, ne vont pas relancer l'activité. Elles ne vont pas créer un seul emploi, selon vous ? Encore une fois, moi, je demande qu'on s'interroge bien sur la qualité de l'emploi qui va être créé. Quand bien même, déjà, donc, premièrement... Donc, elles vont créer des emplois ? Non, parce que l'OCDE a fait la démonstration qu'il n'y avait pas de corrélation entre le contenu du droit du travail et la politique d'embauche. Enfin, dans ce pays, ce n'est pas le droit du travail qui dicte la politique d'embauche, c'est le niveau de l'activité et des carnets de commandes. Soyez-en sûrs. Et moi, tous ceux que je croise me le disent. Donc je demande à ce qu'on me fasse rencontrer bien sûr les patrons de PME qui sont satisfaits absolument de ces ordonnances. Par contre, oui, mais c'est y en la en feuille énormément, de route. Là, attendez, David, ça fait 20 ans. Vous avez cette la PME se félicite de cette réforme. Mais qu'il y ait, ça et là... Bien sûr qu'ils veulent des carnets de commandes remplis. Ça, n'importe quel chef d'entreprise vous dira la même chose. Mais Monsieur Barret, qu'il y ait ça et là, des patrons, y compris des petits patrons, qui soient satisfaits de cette opération des ordonnances. Je ne le conteste pas. Ce que je vous dis, c'est que la grande masse d'entre eux nous demande autre chose que ça et ne réclame pas le tiers de ce qu'il y a dans cette loi des ordonnances. Encore une fois, le projet d'Emmanuel Macron avec cette loi, c'est de dire, comme il faut que j'affiche un taux de chômage plus bas, il faut absolument que je m'attaque au droit du travail. Mais la question est celle de la réalité de l'emploi derrière. Le projet de Macron ici, c'est le remplacement du chômage de masse par la précarité de l'emploi. Nous avons plus enthousiasmant à faire. Par une relance de l'activité, vous créez de l'emploi. La planification écologique que nous appelons de nos voeux, avec l'investissement de 100 milliards, c'est plus de 300 000 emplois. C'est quand même plus enthousiasmant. À quel terme ? Mais 10 ans, 15 ans ? À l'échelle du quinquennat. C'est quand même plus enthousiasmant de se lever le matin en se disant que l'emploi est corrélé à des grands défis humains auxquels il nous faut répondre, que de mener cette compétition. Moi, je demande, quelle est l'étape suivante après cette réforme ? C'est les jobs à 1 euro à l'allemande ? C'est ça le modèle social qu'on veut ? Le grand rendez-vous européen avec CNews et les Échos. Nicolas Barré, Laurence Ferrari, David Doucan.